Bonsoir à tous, un petit peu plus de 18h, vous êtes sur 01net TV, c'est la rentrée pour 01net TV, pour tous nos lives et pour tous nos shows que nous vous proposons tout au long de l'année. On est ravis de vous retrouver après quelques semaines de vacances. Salut Jérôme. Salut François, effectivement, on se retrouve après, tu l'as dit, cette pause estivale et on se retrouve en direct de l'événement high-tech de la rentrée. C'est le salon IFA de Berlin. Et oui, bienvenue à Berlin, je ne sais pas comment on le dit en allemand. Je l'ai su, mais toi qui as fait plus. Allemand en 48e langue il y a quelques années. Non, ça c'est quand on dit. C'est ouais. Welcome, non, un truc comme ça. Willkommen. Merci Olivier. Willkommen. Bah oui, écoutez, bienvenue. Voilà. En tout cas, on est ravis de vous retrouver. Pourquoi Berlin? Parce que c'est le grand rendez-vous de la rentrée en matière de nouvelles technologies avec l'IFA. Tous les constructeurs sont là pour présenter toutes leurs nouveautés en matière de son, en matière d'image, en matière d'objets connectés. Et on va vous faire vivre cette IFA, bien sûr, maintenant en direct pendant une heure sur 01net TV avec tous nos invités et un petit peu les tendances de cette IFA qu'on a pu décrypter pour vous d'ores et déjà. Alors il faut être très précis, le vrai salon IFA n'ouvre que demain, oui. Vendredi. Mais comme on est un peu des privilégiés, eh bien nous on a passé toute la journée à visiter d'ores et déjà les stands et puis il y avait toutes les fameuses conférences de presse des grands constructeurs et il y a énormément de nouveautés cette année encore. On va parler, François, je te déroule un petit peu le sommet. Ouais, allez vas-y. Que tu connais, enfin j'espère. Non, on parle de quoi en fait? On va parler d'audio pour commencer. On va commencer par parler d'audio, exactement. Et vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Ensuite, on parlera de télévision. Oui. Avec un petit événement dans ce 01 Live Hebdo. Le fight, les amis. D'un côté, la technologie LED qui est toujours promue par Samsung. Et de l'autre côté, l'OLED par LG. On va vous expliquer les différences et nous aurons donc les représentants de Samsung et de LG ici même. Exactement, dans ce studio. Qui ont accepté de venir débattre côte à côte. On les en remercie par avance. Et puis, on verra également ce qui se passe du côté de la maison connectée où il y a des réfrigérateurs avec des écrans, des tas de trucs. T'as vu un frigo sous Windows 10, c'est ça? Au début, quand oui. Tu m'as dit ça, je pensais que c'était une bêtise. Tu n'y as pas cru? Non, si, si. Je me suis dit, c'est une bêtise. Eh bien oui, il y a des frigos sous Windows, les ça amis. Existe. On n'arrête pas le progrès. Et enfin, ne les oublions pas, bien entendu. Les smartphones et les montres connectées. Avec la rédaction de 01net.com et notamment Jean-Sébastien Zanqui qui sera avec nous tout à l'heure pour décrypter entre autres les montres connectées puisque c'est l'une des grosses tendances aussi de cette IFA 2016. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. On va aussi vous inviter à nous questionner. Nous sommes en direct. Vous pouvez interagir avec le hashtag 01live sur Twitter. On reprend les bonnes vieilles habitudes de cette rentrée. Hashtag 01live Twitter. On vous attend. Vous laissez le hashtag 01live et vous laissez votre question. On la lit en temps réel. Ça démarre tout de suite. Et Jérôme, on débute par là. Question 01net Orange. Ça aussi, c'est une tradition. Oui. Vous le savez, chaque jeudi soir dans 01 Live, vous avez la parole. Petite pensée de la disparition annoncée de la prise jack de l'iPhone. Et oui, parce que ouais. Alors, ça se confirme. Ça, hein. Voilà, c'est des rumeurs encore, parce qu'on n'a pas eu Tim Cook au téléphone qui nous l'a confirmé. Non, mais enfin, c'est bien entamé quand même. Mais c'est bien entamé. En effet, voilà, la prise jack devrait disparaître de l'iPhone. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, c'est une révolution? Non, vous n'achèterez plus jamais d'iPhone. Ou est-ce que finalement, ça vous dérange pas plus que ça? Dites-le nous avec donc ce sondage 01net Orange, www.01net.com. Ben voilà, et en plus c'est une formidable introduction pour la première partie de ce live, oui. Puisque effectivement nous allons parler d'audio avec nos invités. Et oui, d'audio parce que nous sommes déjà ici sur le stand d'Harman. Alors Harman, vous connaissez peut-être pas, pourtant c'est une sacrée marque d'audio qui connaissent depuis pas, très très longtemps. Bah oui, mais c'est vrai qu'on connaît mieux peut-être JBL. Ils sont nés avant-hier. Qui d'ailleurs sont sous la coupe d'Harman. Et pour nous en parler, nous avons avec nous Olivier Barian. Bonjour Olivier. Bonjour François. Bien, merci de nous accueillir. J'allais dire bienvenue, c'est plutôt vous qui nous invitez ici même. Même. Merci en tout cas pour l'installation et de nous héberger en quelque sorte ici. On est ravis d'être là. Sur votre stand, effectivement, au cœur de l'IFA. Voilà, et avec Olivier, on va parler dans un instant eh bien, de cette éventuelle suppression de la prise Lightning concernant l'iPhone. Est-ce qu'un constructeur de casque d'enceinte, évidemment, se sont concernés par tout ça. On va en parler dans une minute. Et puis, nous allons aussi eh bien, avoir un représentant de chez Sony pour parler de son, Jérôme. Oui, tout à fait. Nous accueillons également Patrick Naltet de Sony France. Bonjour. Bonjour. Bien parler dans le micro, Patrick. Alors oui, bonjour. Bien voilà, près du micro, mieux. Sinon on ne vous entendra pas. Ça passera. Bon, alors, commençons donc effectivement par cette histoire de prise jack qui va disparaître. Ça implique, oui, je dis ça, je dis rien, mais bon. Ça implique un certain nombre de choses. Comment va-t-on pouvoir brancher un casque pour écouter de la musique ou téléphoner ou autre? Je pense qu'Olivier, vous avez une petite idée malgré tout, en alors tant que constructeur d'accessoires audio. Il y a 4-5 ans, la grande discussion tournait autour du Lightning.
Lightning, pas Lightning, quel type de connecteur. Aujourd'hui, le Lightning semble rester. Donc, pour connecter un casque ou un accessoire audio d'une manière générale, il reste deux moyens. Le sans fil, Bluetooth ou Wi-Fi, et éventuellement du filaire via la prise Lightning. Aujourd'hui, sur le marché du casque, un des segments qui augmente encore aujourd'hui, c'est le Bluetooth. Les casques filaires ont tendance à, je dirais, baisser au niveau des volumes de vente. Donc, parce que parallèlement à ça, l'équipement Bluetooth, le prix de l'équipement Bluetooth baisse. Oui, aujourd'hui, on trouve des casques Bluetooth, alors pas forcément d'excellente qualité, mais à quelques dizaines d'euros. On va dire même en dessous 50 euros. Aujourd'hui, on retrouve des casques Bluetooth, sans même parler d'écouteurs, mais même des écouteurs se rapprochent des 50 euros avec une qualité tout à fait honorable. D'accord. Donc l'idée aujourd'hui, c'est soit on part sur une connexion sans fil, essentiellement Bluetooth pour du casque ou de l'enceinte, soit du Lightning. Alors on peut se dire effectivement que le jack va disparaître. En tout cas, chez Harman, et plus précisément chez JBL, on a imaginé que le jack allait disparaître, puisque nous sortons aujourd'hui des écouteurs sport notamment, avec une connexion directe en Lightning. En Lightning. Et on le voit d'ailleurs, hein, c'est un... Alors vous rentrez par le sport, hein, dans cette petite révolution. Alors pourquoi par le sport? Parce que c'est le deuxième segment avec le Bluetooth à encore croître aujourd'hui dans le marché du casque. D'accord. Donc ça vient d'être annoncé, là, ces petites oreillettes ici à l'IFA. Voilà, c'est présenté ici à l'IFA. Coïncidence, hein, avec l'éventuelle disparition du jack. Mon œil, c'est quoi cette histoire? Coïncidence, on a sorti ça comme ça. Bon, on a peut-être une F1. D'ailleurs, ça tombe bien parce que tu sais que la semaine prochaine, il y a un gros événement. Justement, on découvrira l'iPhone 7 d'Apple. Ben, en principe, oui. Mercredi soir. Aux alentours des 19h, à suivre sur 01net TV, on sera en direct. Et à cette occasion, ces jolis casques, on va vous les offrir. Ah bon? Ouais, carrément. Mais oui, on est comme ça sur 01net TV. Et ouais. D'accord. En collaboration donc avec Harman. Donc on a bien fait d'en parler. Combien ça coûte, ces petites oreillettes? Ces écouteurs coûtent 179 euros, sachant qu'ils font aussi atténuateur de bruit. Patrick chez Sony, vous anticipez aussi, parce que bien sûr, alors vous avez des smartphones, mais vous travaillez, enfin, vous êtes aussi accessoiriste pour smartphones hein, chez Sony. Est-ce que vous anticipez aussi cette disparition de ce port Lightning sur les iPhones? Et peut-être sortir demain des casques compatibles. Le marché du casque est relativement important pour nous, puisque nous sommes leaders sur le marché du casque avec plus de 17% de part de marché. Donc, bien entendu qu'on y est très très attentif. Par contre, comme le précisait Olivier, le marché, le segment du Bluetooth est en très très forte croissance. Donc, on s'adresse vraiment à une clientèle qui est prête à investir plus. Et il suffit de leur apporter des produits qui correspondent à leurs attentes. Et d'ailleurs, je vous en ai amené un que j'ai juste à côté de moi, qui est un produit que nous allons... Voilà. Que nous allons lancer au mois d'octobre, qui en plus du Bluetooth intègre la fonction de réduction de bruit. Et ce produit intègre probablement les meilleures technologies pour la réduction de bruit. Alors je l'ai. Oula, attention, vous avez une guêpe à côté de vous. Ah oui, ça c'est. Elle est déjà attirée par le produit. Vous voyez, on a déjà une cliente. C'est formidable. Parce que vous dites que c'est le meilleur. Non, c'est un consommateur supplémentaire. Alors, juste une chose, vous n'avez pas répondu tout à fait à ma question, oui. Patrick. Est-ce que vous imaginez sortir des casques spécialement Lightning, comme le fait Philips, comme le fait aujourd'hui d'autres marques, pour les iPhones? Aujourd'hui, avec le Bluetooth, on n'en a pas la nécessité. D'accord. Nos casques sont Bluetooth NFC pour la plupart. De connectique. On n'en a pas la nécessité aujourd'hui. D'accord. Peut-être plus tard. Je reviens à ce casque-là que vous avez apporté. On voit les images, je l'ai essayé tout à l'heure. Alors effectivement, qualité audio vraiment excellente. La réduction de bruit est très bonne aussi. Et puis ce qui est amusant, c'est cette fonction astucieuse que vous avez intégrée. C'est-à-dire qu'en posant la main sur l'écouteur, là, comme je le fais actuellement, eh bien en fait, ça coupe la musique, ça déclenche un micro, ce qui permet d'entendre les conversations autour. L'environnement extérieur. L'environnement extérieur. Ouais, c'est-à-dire que voilà, je suis dans l'avion ou même tu dans la rue. Tu faisais un choriste corse avec la main sur ton oui, oreille. Oui, ça te connaît, ça. Toi, les choristes corses en plus. C'est comme ça. Pas les corses. Mais c'est une fonction unique aujourd'hui. Et c'est une fonction. Oui, c'est très utile. C'est assez malin. Lorsque vous êtes dans l'avion, c'est tout à fait appréciable d'être complètement isolé et vous l'êtes totalement grâce à cette fonction de réduction de bruit. Par contre, lorsque l'hôtesse vient vous voir, d'enlever son casque, c'est pas forcément ce qui est le plus pratique. Donc en simplement posant la main sur l'oreillette, vous n'êtes plus isolé, vous entendez tous les bruits de l'environnement extérieur. Et on a intégré une interface tactile complète, donc vous pouvez augmenter le son, baisser le son, changer la piste. Donc c'est extrêmement simple à utiliser, très ergonomique. Olivier, d'accord avec ce constat que le Bluetooth finalement est aujourd'hui la manière de connecter un casque et un smartphone qui est la plus universelle? Oui, aujourd'hui le Bluetooth c'est une connexion universelle, surtout avec le 5.0 qui est en devenir. Voilà, avec la nouvelle évolution du Bluetooth. Nouvelle évolution, la dernière évolution du Bluetooth avec
plus d'autonomie, parce que plus économique, plus de capacité en distance aussi. Hein. On peut même laisser son enceinte chez soi et sortir loin, ou laisser son téléphone à contrario chez soi et aller dans le jardin avec son casque, puisqu'on parle de casque ici. Ah oui, quand c'est vrai que on parle de 100 mètres, tout à fait. Enfin, quand oui. on annonce du 96 mètres chez nous, par exemple. 96,2 je crois. Voilà, exactement. On n'est pas au JO, mais on n'est pas loin du record. Mais le 5.0, vous en avez déjà? Vous avez déjà des produits compatibles ou ça va arriver? Là, on annonce des produits, mais plus sur les enceintes portables avec du 5.0. D'accord. Alors, les enceintes portables, justement, parlons-en. Oui. C'est vrai que l'un et l'autre, vous avez une gamme aujourd'hui qui est assez étonnante. C'est un segment de plus en plus important, ça, les enceintes portables? Alors, pour nous, oui, puisque c'est le segment en matière de commerce qui pousse le plus. Mm-hmm. On est leader, un peu à l'instar de Sony sur les casques, on est leader sur le marché des enceintes portables, et donc on continue à travailler de manière très, très forte ce segment. Donc des nouveautés annoncées à Des nouveautés annoncées. Alors après, effectivement, on peut s'imaginer qu'à terme, le son ne sera qu'un des éléments de l'enceinte. Qu'est-ce qu'on voit là actuellement, Olivier ? Alors on a vu il y a quelques instants, en fait, des enceintes compatibles Google Cast, hein, parce que vous avez passé un accord avec Google. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est Google Cast ? En matière de connectivité sur les enceintes? Alors, pour parler technique assez rapidement et de manière simple, en tout cas, l'idée d'avoir une enceinte Google Cast permet en fait de libérer tout le réseau Wi-Fi, parce que ça fonctionne en Wi-Fi. Donc on est connecté, on connecte l'enceinte au réseau Wi-Fi domestique, et en fait le smartphone ou la tablette ne sert plus que de télécommande. C'est-à-dire qu'on va dire au cloud de tel ou tel service d'aller diffuser telle ou telle musique sur l'enceinte. On peut éteindre le téléphone, partir avec son téléphone, et la musique continuera à jouer sur l'enceinte ou les enceintes, puisqu'on peut connecter plusieurs enceintes également dans la maison. Ah, c'est la musique dans le nuage. Exactement. Oui, c'est, ça. C'est ça. C'est ça. Donc, en fait, pour se connecter, pour écouter de la musique aujourd'hui, Patrick, il y a donc le Bluetooth, qui est le plus simple. Mmh. Est-ce que vous êtes aussi sur du Wi-Fi en termes de diffusion de musique sur les enceintes chez Sony? Oui, oui, tout à fait. Bien sûr, bien sûr. Nous avons une gamme d'enceintes sans fil qui est aujourd'hui très, très large. Mmh. Donc sur le stand, vous avez pu remarquer la XB2, la XB3 qui ont été lancées il y a très peu de temps et qui commencent déjà à bien croître. Alors c'est celle-là, c'est des... Alors là, on est passé plus sur du transportable, oui, que du portable. Là c'est Sony s'amuse et transforme votre salon en boîte de nuit. Ce que vous présentez, c'est une gamme qu'on appelle le High Power pour haute puissance, on va même dire très très haute puissance, puisque c'est ces enceintes, donc ce sont des enceintes sans fil, un peu comme celles que vous avez présentées précédemment, mais d'un volume un peu supérieur, on va dire. C'est l'enceinte Jackie Tuning. Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Excusez-moi. Parce que là, vous réduisez le marché. Et non, le marché, c'est le Patrick, produit pour plaisanter. Tout le monde veut faire la fête. Non, c'est vrai. Je peux vous garantir qu'aujourd'hui... Moi, Jérôme, vous savez, tout à l'heure, Jérôme l'a dit à l'oreille, j'aimerais bien les avoir. Mais oui, bien pourtant, sûr. Il n'est pas du tout tuning. Vous croyez-moi, vous transformez n'importe quel living room en une boîte de nuit. Et aujourd'hui, tout ce que veulent les gens, c'est s'amuser. Ouais, ça fait du gros son et en plus de la lumière. Ça fait du gros son, ça fait de la lumière, ça met l'ambiance. Et alors, j'ai été étonné parce que c'est pas très cher, entre guillemets. Non, c'est pas très cher. En même temps, pour du gros son, non, j'ai rien dit. Du très gros son, très gros son. Très franchement, je vous en prêterai une. Vous l'amenez chez vous, vous invitez des amis. En repartant, ils vous demandent le prix, ils repartent avec. Alors le prix. Ça marche à tous les coups. Le prix. Il y a toute une gamme. Ça commence à partir de 250 euros. Et voilà. Donc celle que vous avez présentée, avec une puissance vraiment déjà exceptionnelle. Et les lumières, 250 euros. Et ça monte. Et ça monte jusqu'à 700 euros, 800, 900 euros. Mais avec des puissances qui sont de plus de 2500 euros. Donc ça devient quasiment... Ce que je voulais dire, ma boutade, c'est que le gros son n'est pas forcément... Oui, on n'est pas sur la RS, quoi. Voilà. Sur de son résolution, c'est autre chose. Là, c'est pas forcément la qualité, la fidélité de restitution qu'on va chercher. Ça reste notamment... On veut du volume. Il faut que ça dépote, quoi. Oui, ça reste des produits pour du fun, pour se faire plaisir. Pour du fun, ouais, bien sûr. C'est très adapté, bien sûr, à la musique électronique, mais ça reste des produits tout de même très équilibrés, avec une très bonne qualité sonore que vous pouvez utiliser au quotidien avec tout type de musique. Vous avez ça en rayon aussi, Olivier, hein, votre enceinte cylindrique là. Oui, dans des proportions plus petites. C'est du portable. Hein. C'est ça. Mais c'est très sympa pour ambiancer, par exemple, un dîner. Alors peut-être pas une boîte, mais un dîner, vous posez ça comme ça. C'est plus une lumière d'ambiance. Voilà, une lumière d'ambiance. Voilà. Et alors ce qui est rigolo, c'est que en fait, tu changes la couleur de l'enceinte simplement en la posant sur une couleur. Tu vois, donc il y a un capteur. Ça fait caméléon. Voilà. Il y a un capteur qui détecte la couleur et qui vous la restitue en fait en lumière. Super. C'est assez rigolo. Combien de nouveaux produits annoncés à cette IFA, là, Olivier? 30-35 nouveaux produits audio. Des casques aux enceintes, etc. Casques, enceintes,
Okay. Qu'est-ce que recherchent les gens aujourd'hui? Le prix ou la qualité? C'est la question que je vous pose à tous les deux. Ne soyez pas trop langue de bois. Est-ce que ce marché est nivelé vers le haut actuellement ou plutôt vers le bas? Qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a des clients différents sur tous les marchés. Donc vous avez des clients qui vont chercher le prix. Il y a des clients qui vont chercher, bien entendu, de la montée en gamme et des produits qualitatifs. Donc il y a de la place pour tout le monde. Sony se positionne sur des produits à valeur ajoutée, sur des produits de haute fidélité, de qualité, qualité sonore. Mais vous voyez qu'on a aussi des produits sur une tonalité un peu différente. Il y en a pour tout le monde. Et je pense qu'il y a des fournisseurs qui ont un positionnement différent. Donc c'est, l'offre n'est pas restrictive du tout. Mais vous, typiquement, que ce soit d'ailleurs Harman, Akagi, JBL ou Sony, vous êtes vraiment sur tous les segments de ce milieu? Non, bien entendu. En étant une marque à valeur ajoutée et premium, on n'est pas sur tous les segments. On cherche plus la qualité que le volume, bien évidemment. On cherche à satisfaire un consommateur. Un consommateur qui achète du Sony, il a déjà une exigence au départ de qualité liée à l'image de l'entreprise et à l'image de la marque. Donc il faut satisfaire cette exigence avec un niveau de qualité élevé, bien entendu. Très bien. Olivier, l'approche est un peu différente chez JBL. Parce que vous avez trois marques. Donc On a trois marques, mais si on reste juste sur la marque leader aujourd'hui, la marque phare en tout cas chez nous, JBL, on a des produits qui commencent à 29 euros en enceinte portable, très volumique. Donc là, on ne cherche pas de valeur donc ajoutée. Très volumique, mais en français, ça veut dire que ça se vend très bien. Ça se vend très bien dans des zones caisses chaudes, c'est-à-dire un peu comme les chewing-gums au supermarché. Ouais. Aujourd'hui, les gens prennent l'enceinte. Oui, et comme ça, là, voilà, achat impulsif. 29 euros, je la prends. Elle marche plus, je la jette, mais elle marche toujours, donc c'est gênant. et aussi, pour revenir sur ce qui a été dit précédemment, on nous demande des enceintes plus chères. Ah oui. C'est-à-dire aujourd'hui, on a des enceintes portables à 300 euros et plus. Et ça se vend aussi bien que des enceintes à 200 euros ou 150 euros. Super. Parce qu'il y a de la demande pour du qualitatif. Pour revenir à la question initiale, donc on cherche au niveau des clients la qualité et les gens n'hésitent pas à investir avec des prix et des paniers moyens supérieurs par rapport à ce qu'on connaissait avant. On peut imaginer que le consommateur commence peut-être par une petite enceinte Bluetooth, il envoie vite les limitations et puis petit à petit monte en gamme. C'est peut-être ça, non? Il recherche un peu plus de puissance, de qualité, d'autonomie. Très bien. Merci à tous les deux. Merci, messieurs. Merci, Patrick. De deux marques et Olivier. Prestigieuses, notamment d'audio, Sony et Harman. Nous sommes en direct toujours de l'IFA à Berlin. Vous pouvez interagir sur Twitter, hashtag Zéro en live. Et puis surtout, vous pouvez voter au sondage. Un petit point sur la question Zéro Net Orange. Bien sûr, la question que tout le monde se pose, les amis. Et oui, pour ou contre la suppression de la prise casque sur l'iPhone, avec toutes les conséquences que ça implique, on vient d'en parler. Eh bien, vous êtes contre à 62%. Bon. Voilà, pas de commentaires. Attention, si Tim Cook voit ce résultat-là, il risque peut-être de changer ses plans. Tu connais, on aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine lors du live spécial mercredi soir. Mais chez Apple, on fait des trucs que les gens n'attendent pas et ne veulent pas, et puis ensuite on leur fait croire que c'est super. Enfin, on leur... Voilà. Oui, c'est ça, c'est un peu ça, c'est bien résumé. On leur dit que c'est super. Voilà, et puis donc on se retrouve en direct mercredi prochain dès 19h sur Zéronet TV pour vivre cette keynote Apple avec, vous l'avez compris, des produits AKG qu'on vous offrira. JBL. JBL. On parle tout de suite de télévision. Les plus beaux téléviseurs du monde sont ici à l'IFA à Berlin et les deux plus grandes marques de téléviseurs dans un instant sur ce canapé. Et le hashtag Zéro en live sur Twitter, on ne l'oublie pas, on lit vos petits tweets, vous êtes très nombreux à nous suivre, encore une fois ce soir on le voit, pas mal de petites réactions concernant le Bluetooth, c'est vrai que c'est plus difficile de trouver du son de qualité que de trouver de bonnes enceintes et des casques, nous dit Caribou, et voilà, n'hésitez pas, on nous pose aussi des questions concernant Galaxy Note 7 et la surchauffe du Galaxy Note 7, on n'en parlera pas ce soir, mais vous pouvez retrouver un article complet sur zeronet.com, c'est vrai que c'est un petit peu la polémique du moment. Nous accueillons, je vous l'ai dit, les représentants des deux plus grandes marques de téléviseurs au monde, Samsung et LG, qui ont bien voulu, et on les en remercie, participer en même temps à cette émission. Stéphane Curtelin de LG France, bonjour. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Mister OLED, on va l'appeler ce soir. Voilà. C'est comme ça qu'on peut l'appeler. Et Jérôme Ness de Samsung France. Et vous, on va vous appeler Monsieur Quantum Dot. C'est ça, bonsoir. Parce que vous allez voir, on va faire une espèce de petit débat. En tout cas, on va essayer d'examiner ces deux technologies, puisque ces deux constructeurs n'ont pas choisi le même camp en matière de technologie. Et pourtant, deux grandes marques, deux constructeurs coréens, les plus prestigieux, bien sûr, LG, Samsung. C'est quand même presque culturellement intéressant de voir que ces deux grands constructeurs aient choisi
deux technologies différentes pour imaginer la télé de demain. Alors regardez, on vous emmène là sur les stands de LG et de Samsung qui sont traditionnellement les plus beaux stands, les plus grands stands de l'IFA avec des installations absolument incroyables. Je pense qu'on devrait voir les images dans quelques instants. Alors commençons par le début, ça c'est LG. Donc LG, le nouveau téléviseur de la gamme Signature. Tu sais, c'est celui que tu dois m'offrir pour Noël. C'est celui que je vais t'offrir, mais je suis désolé. En fait, il n'y a pas eu assez de dons, si tu veux. Il n'y a pas eu assez de dons. Tu n'as pas assez d'amis. Mais c'est pas possible ça, Jérôme. Pourtant, on en a parlé. Ouais. Ça, c'est le stand de LG avec une espèce de tunnel vidéo composé de 216 écrans OLED. Moi, perso, j'aime pas trop les méduses. Hein, donc, je vous le dis, c'est pas un bon exemple. On a mis des étoiles aussi. Il y a aussi des étoiles. Alors, ça va. L'installation est assez belle. On verra, je pense. Mais c'est vrai que juste une parenthèse, Jérôme, c'est quand même la démesure, l'IFA. C'est-à-dire que les constructeurs mettent partout. Vous vous rendez compte, là, un tunnel d'OLED. C'est 15 mètres de long, 7,50 mètres de haut. En plus des 216, voilà, juste pour compléter l'information. C'est l'entrée du stand, voilà. En fait. Ouais, hein. C'est dingue. Hein. C'est vrai que c'est de la démesure. Mais on a aussi, je pense, les images du stand de Samsung, qui sont pas mal non plus. Je sais pas si on les a sous la main. Voilà, chez Samsung. En toute simplicité, on fait dans le pointillisme. Pas de tunnel, mais voilà, des fleurs partout. Vous avez des fleurs partout. C'est absolument splendide. Non, mais c'est pour tous ceux qui n'ont pas l'habitude de ces salons, vous pouvez pas imaginer comme c'est impressionnant de voir tout ce déchaînement de couleurs et de télé. Ah bah nous, on se régale. C'est hallucinant, quand même. Bon, Jérôme, on rentre dans le dur là. On rentre dans le dur. Parce que d'un côté, donc, à ma gauche, nous avons Stéphane Curtonin qui représente la technologie OLED chez LG. Et donc le Quantum Dot avec Samsung. Et notre invité Samsung. Donc, alors c'est pas facile, Jérôme, de les partager les deux. Bon, commencez d'abord par nous présenter un petit peu ces produits qui sont pas totalement nouveaux, mais quand même, Stéphane, les nouveaux téléviseurs très haut de gamme, donc OLED, ils font quoi et surtout combien ils coûtent? Alors en effet, l'OLED, c'est un peu le graal de la télévision, puisque ça fait plusieurs années que tous autant que nous sommes constructeurs, on essaye de réaliser le produit absolu avec l'OLED. C'est une réalité commerciale pour le grand public maintenant chez LG depuis un an et demi. Et au cours de cette première année, de cette première partie de l'année, il s'en est écoulé à peu près 20 000. Donc c'est aussi une réalité commerciale, une réalité pour un grand nombre de consommateurs. 20 000, c'est un chiffre quoi, mondial? Non, France. 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 Alors, c'est vrai qu'on a bénéficié de la Coupe d'Europe qui a un petit peu aidé, parce que voilà, c'est de l'achat plaisir, qui va, alors puisqu'on parlait de prix, qui va de 2 000 à 30 000 euros. 30 000 euros, voilà. Ouais. Donc on a sur de l'OLED. Donc on peut commencer à 2 000 avec du Full HD et 30 000 euros. 30 000 euros, c'est 2 mètres de diagonale, c'est du produit spécifique. Voilà. Oui, c'est bon. De toute façon, même chez Samsung, vous avez des télés prestigieuses qui coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Va se positionner aux alentours de 20 000 euros. Ah oui, ouais. Bon, c'est la pas gamme mal. SUHD, elle démarre à 1500 euros en ultra haute définition et sur une taille à 43 pouces et elle termine en 88 pouces avec le modèle qui est présenté là à l'IFA, le 88 KS9000. Et c'est intéressant de rappeler que, bon, évidemment, c'est pas la télé de monsieur et madame tout le monde, mais ce sont des télés, vous l'avez dit, qui se vendent. Hein, il y a toujours une clientèle, finalement, comme tous les produits de luxe, et du coup, c'est une vraie économie qui marche plutôt pas mal. Hein. Exactement. Alors, cette année, en plus de cela, en 2016, c'est un tournant pour la marque LG. On a commencé à l'évoquer avec le lancement de la gamme LG Signature. Donc là, sans vouloir se reposer sur nos lauriers, c'est l'idée de rentrer dans le monde du luxe. On a souvent parlé du très haut de gamme. Là, cette fois-ci, c'est vraiment de rentrer dans l'univers du luxe de l'équipement de la maison. L'équipement de la maison, c'est-à-dire les télés et juste pour information aussi les réfrigérateurs, principalement. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Mmh. Donc en effet, les télés LG Signature, 65 pouces, donc c'est 1,65 m de diagonale. On est sur du 8 000 euros avec une superbe barre de son également. L'épaisseur, c'est à peine plus que 3 cartes de crédit. Oui, c'est assez impressionnant. C'est impressionnant. Mais pourquoi Non incurvé. Ouais. Vous êtes sur le plat. Stéphane, pourquoi avoir choisi tout seul, parce que vous êtes les seuls au monde, à miser, à investir des milliards dans l'OLED, alors que les autres disent c'est pas bien? Alors, parce qu'on est convaincu que c'est bien. Alors pourquoi est-ce qu'on est convaincu que c'est bien? C'est Quand on le voit, c'est vrai que faut dire que c'est beau. Oui. Voilà. C'est absolument c'est magnifique. Alors, sans faire l'historien de la télévision, mais c'est vrai que plusieurs marques ont essayé. Il se trouve qu'à date, pour l'instant, nos ingénieurs sont les seuls à avoir réussi à le commercialiser sur des grandes tailles, à le rendre avec un outil de production. Comme on vient de l'évoquer, nous avons en effet investi 8 milliards de dollars l'an dernier dans une nouvelle usine de production de dalles OLED pour la télévision. Pour nous, ce qui a motivé cela, c'est que l'OLED, c'est le noir absolu. Et le noir absolu, c'est le contraste, c'est la couleur, et c'est quelque chose qui se voit assez facilement. Et qu'on ne peut pas avoir sur des technologies autres. Alors attends, on va je laisserai après mon confrère répondre. Ouais. Mais ce qui est certain, c'est que l'OLED permet d'éteindre complètement,
chaque élément constitutif de l'image, c'est-à-dire chaque pixel, ou de l'allumer. Donc on peut faire éteint à 0% ou allumé à 100%. Un peu comme le plasma à l'époque. Avec des caractéristiques améliorées de finesse, de design sur l'OLED notamment. Voilà, ça c'est une caractéristique absolue de l'OLED qui n'a pas d'équivalent. Après il y a d'autres technologies, et bien sûr je vais laisser mon confrère s'exprimer. Mais voilà, c'est le point hyper clé, c'est le noir absolu, c'est zéro affichage, pixel par pixel. C'est-à-dire que sur l'ultra haute définition, chaque million de pixels peut être éteint ou allumé. Alors, Jérôme, vous n'êtes pas d'accord chez Samsung. Vous avez fait un autre choix et vous partez sur cette technologie qui s'appelle Quantum Dot. Pour quelle raison ? Exactement. Ben, comme nos confrères, on est des amoureux de l'image. Après, notre conception de l'image, je pense, diffère un petit peu. Il y a plein de choses qui font qu'on aime une image ou qu'on l'aime moins. Pour nous, le point qui est le plus important, c'est la luminosité. Et pour cette raison-là, on a fait un choix qui est différent. On a développé une technologie qui s'appelle les quantum dots, donc des petites particules, je reviendrai après sur le fonctionnement, qui peuvent enrichir la lumière du rétroéclairage et qui permettent de donner énormément de réalisme à l'image. Ça a également beaucoup d'avantages sur le domaine de la couleur. Et donc, les images aujourd'hui, des téléviseurs SUHD qui utilisent les quantum dots permettent de donner un réalisme qui pour nous est incomparable à l'image. Oui, mais honnêtement, la différence entre vos deux technologies sur un téléviseur neuf quand on les regarde, il faut vraiment... C'est-à-dire, tu veux dire par là les anciens modèles LED et le quantum dot, c'est ça ? Non, entre le quantum dot et l'OLED, je vois pas vraiment de différence, moi. Bah c'est plutôt bon alors. Il y a effectivement. Bah oui, tu vois pas de différence. Je pense qu'on est dans les deux cas. Non, je pense qu'on est dans les deux cas. C'est sur des très magnifique. Très belles qualités d'image. D'accord. Et on a tous les deux, je pense, beaucoup d'avantages. On vient d'en citer certains. Ce qu'on a voulu là présenter à l'IFA, c'est un petit peu le futur de cette technologie Quantum Dot. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, elle existe sur les téléviseurs SUHD que vous connaissez, mais on est un petit peu à l'aube de ce que voir ce que les Quantum Dots vont pouvoir apporter sur les générations de téléviseurs. Ça veut dire quoi, à venir. Il va falloir attendre encore pour que ce soit. Encore mieux. Aujourd'hui, vous avez une superbe image et on est convaincu qu'on peut aller encore plus loin et faire des pas de géant d'année en année grâce à cette technologie Quantum Dot pour qu'à la fin, en fait, la technologie d'affichage Quantum Dot arrive à combiner tous les avantages de toutes les technologies d'affichage que vous connaissez aujourd'hui. Et c'est pour ça c'est en ça que pour nous, la technologie Quantum Dot, c'est la technologie du futur pour les téléviseurs. On a reproché un moment à l'OLED, enfin on s'inquiétait de la durée de vie de l'OLED, comme on s'était inquiété pour le plasma. C'est un problème ça, il faut... Alors ça a été un problème, c'est vrai, d'ailleurs c'est pour ça que d'autres concurrents ont laissé tomber ou se consacrent sur des petites tailles. Ça a été résolu et c'est un des tours de force qu'ont résolu nos ingénieurs en Corée chez LG, c'est d'avoir justement compensé avec ce qu'on appelle du white OLED, c'est-à-dire qu'on rajoute une diode blanche qui vient permettre d'optimiser ses performances dans la durée. Donc là, maintenant, on est sur des durées. Donc si j'achète un téléviseur OLED aujourd'hui, dans 5 ans, 10 ans, il n'aura pas perdu en qualité ou... Les mêmes caractéristiques, caractéristiques que sur des LED classiques. D'accord. On a atteint le même niveau de fiabilité qu'un téléviseur LED classique. Vous avez un problème de longévité, Jérôme ? De ce point de vue-là, je pense qu'on a des avis qui diffèrent. On adore la technologie OLED, elle a beaucoup d'avantages dans d'autres applications que le téléviseur. Et parce que vous avez, par exemple, tous vos smartphones sont en technologie OLED aujourd'hui. Effectivement, c'est une très bonne technologie et je ne dirais jamais le contraire. Après, quand on se parle de téléviseur et de ce que le consommateur veut voir sur son téléviseur, nous on pense que c'est une technologie qui n'est pas forcément... C'est pas l'OLED qui est la technologie la plus adaptée, parce qu'on a une demande de plus en plus forte pour des écrans de très grande taille. Oui. Demain, on aura peut-être de la demande pour des résolutions supérieures à l'Ultra HD qu'on connaît aujourd'hui. En ça, avec les Quantum Dot, on ne connaîtra aucune limite. On pourra envisager des écrans de 77-80, enfin, ça c'est déjà le cas, mais on pourra envisager toutes les tailles d'écran, toutes les formes avec d'écran. Avec une définition, on ira sur du 8K, 16K. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais en tout cas, le Quantum Dot, c'est vraiment une technologie d'avenir, dans le sens où, de ce point de vue-là, elle ne connaîtra aucune limite et elle sera beaucoup plus facile à industrialiser. C'est ce qu'on voit là, les petites fioles, ça c'est du, on peut dire c'est du quantum dot ça ? Ouais, exactement. Dans les petites fioles, en fait, vous avez c'est une concentration de quantum dot. Et le principe de base, c'est que lorsque ces particules sont traversées par la lumière, elles la réémettent de façon beaucoup plus intense à une couleur très précise. Mm-hmm. Vous savez que pour faire une image, il faut assembler trois couleurs primaires, le rouge, le vert, le bleu. Et la qualité de l'image à la fin, elle dépend des trois couleurs primaires que moi je suis capable de créer pour mon téléviseur. Et avec les quantum dots, on peut créer un
rouge très pur, un bleu très pur et un vert très pur pour à la fin obtenir la plus belle qualité d'image et possible. C'est amusant, après je me tais, mais quand on le voit pas sur les images, mais quand on lève la fiole de la source d'image, elle est quasiment blanche en fait. Ouais, parce qu'il n'y a plus de lumière qui la traverse, mais quand on l'expose à la lumière, ça s'élimine. Et de ce point de vue-là, les quantum dots, ils vont révolutionner. Quantum dot, c'est combien de fois plus petit qu'un cheveu? Voilà, une vingtaine de fois plus petit qu'un cheveu, ça fait entre 2 et 6 nanomètres de diamètre. Jérôme Ness, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que Samsung ne se lancera jamais dans l'OLED sur des grandes tailles de téléviseurs? Parce qu'il y a des rumeurs qui circulent depuis des mois que voilà, vous seriez presque prêt à sortir vos premiers téléviseurs OLED. Où est-ce que vous en êtes? On a sorti un téléviseur OLED en 2013, mais effectivement cette technologie, on a vu tous ses avantages, on a aussi vu ses limites, d'accord, notamment en termes de durabilité, question qui ne se pose plus avec les quantum dots aujourd'hui. Mais rien de prévu sur l'OLED, on va dire pour le grand public. Et on a toujours dit que c'était pour nous, en tout cas, ce n'est pas la technologie pertinente pour des écrans de téléviseurs, notamment des écrans de grande taille. Donc là, à l'IFA, on en profite pour expliquer un petit peu comment on voit la télévision et les téléviseurs demain. D'accord. Et avec tout le potentiel qu'ont les quantum dots, on se rend effectivement compte que c'est vraiment pour la technologie de demain. On va réussir à combiner tous les avantages de toutes les technologies, puisque demain, en continuant à développer cette technologie-là, on va réussir à les rendre, on va réussir à améliorer ces quantum dots et peut-être un jour les rendre auto-émissifs. Et là, on parlait avant de l'avantage de pouvoir contrôler tous les pixels séparément. Les quantum dots, demain, ils vont permettre ça. Et donc, on aura, en plus de la qualité d'image qu'on connaît aujourd'hui, beaucoup d'autres avantages comme un contraste exceptionnel, etc. Pour parler justement d'avenir, ce qui est intéressant justement, puisque on évoque ce volet-là, l'OLED pour nous, c'est non seulement pour la télévision, non seulement pour ce qu'on appelle le marché professionnel, pour des écrans de très grande taille dans les magasins, mais c'est également beaucoup d'applications dans les voitures. C'est-à-dire qu'on est persuadé, et ça a commencé déjà, que ça va servir pour les tableaux de bord, ça va servir pour les éclairages, ça va servir pour différentes... Parce que c'est une technologie qui a une grande souplesse d'utilisation. Ça peut être souple, ça peut être arrondi, c'est fin. C'est très fin, c'est léger. Maintenant, ça a une bonne fiabilité, donc ça ouvre énormément de perspectives. Et on entend régulièrement des rumeurs, et je pense qu'il y a un grand constructeur de smartphones aussi qui ne va pas manquer de s'équiper, je crois, en 2018 ou peut-être même avant, l'ensemble de ses smartphones d'écran OLED. Alors on parle d'Apple, hein, bien évidemment, puisque l'iPhone qui sortirait dans un an aurait un écran OLED. Voilà, alors c'est vrai qu'ils sont... Et on murmure que vous seriez en train de préparer les écrans. Alors je ne sais pas si vous êtes allé voir. Je ne suis pas allé voir, mais j'ai entendu la même chose que vous. Voilà. Donc, ça peut être Samsung aussi, parce qu'à mon avis, il y en a quelques millions je pense que l'offre est en cours. Hein. Là-dessus, ce qui risque d'arriver, c'est que ils vont probablement, en bon industriel, sourcer, comme on dit, sur plusieurs fournisseurs. D'accord. Et ça pourrait être en effet Samsung et LG qui fournissent ces petits écrans OLED, parce que là, c'est un super produit en termes de résolution, de qualité d'image, et s'ils ne sont pas trompés non plus. Après, ce qu'on peut, pour clore ce sujet, allez, vous qui nous regardez, allez dans un magasin, regardez, comparez les images, maintenant il y a de l'OLED partout, il y a aussi donc du quantum dot, et faites-vous votre propre opinion. Intéressant, Philips, c'est pas n'importe quel constructeur de télé, a annoncé son premier téléviseur OLED à l'occasion de cette IFA. Donc voilà, il n'y a plus qu'LG. C'est peut-être vous d'ailleurs qui fournissez la dalle. Voilà, mais en tout cas, Philips croit en cette technologie. Et c'est assez étonnant, je trouve, cette différence, ces deux caps complètement différents de deux constructeurs coréens. C'est assez étonnant. Merci à tous les deux. Merci en tout cas d'avoir accepté d'en débattre aujourd'hui. Ne partez pas parce que, assez brièvement, on va évoquer aussi des choses que vous faites l'un et l'autre. Ce sont tout ce qui a trait à la maison connectée, à l'électroménager connecté. On a vu des choses plutôt sympas sur ce salon IFA, des choses qu'on avait déjà vues peut-être les années précédentes. Et notamment l'arrivée des écrans sur les appareils électroménagers. Regardez ce magnifique, j'espère qu'il va paraître, réfrigérateur avec un écran à l'intérieur. Alors c'est ton fameux réfrigérateur avec un écran sous Windows 10. Alors ça c'est LG donc. C'est celui qu'on avait vu au CES, non? Ah, je ne sais plus si c'est celui qu'on a eu. Alors celui-ci avec l'écran intégré, il n'était pas encore présenté au CES. D'accord. Il y en avait un en effet, le châssis. On se confond avec vos collègues de chez Samsung. Il y en avait un avec un grand écran vertical. Oui, c'est ça. Tout à fait. Oui. Alors ça c'est le signature. Oui, voilà. C'est la signature. Il y a combien le frigo là, Stéphane? 6000 euros. Voilà. Allez, je vous en prie, sortez de ce studio tout de suite. Là, ça c'est pas le signature, celui qu'on a vu après, et il est moins cher celui-là. Voilà. Alors celui avec l'écran, c'est encore un prototype. Le signature sera disponible en novembre. Voilà, celui-là, c'est un prototype à l'étude. Ce sera soit du Windows 10, soit du WebOS. Sur lesquels on travaille en parallèle pour l'instant sur ces deux possibilités. Et alors à quoi ça sert? Alors,
basiquement très de façon très proche. Ça sert à rebooter le frigo, Jérôme. Quand Windows 10 plante, tu rebootes ton frigo. Avec une caméra pour faire les courses. C'est-à-dire que c'est à chaque ouverture et fermeture de porte, ça prend une photo de l'intérieur et ça vous permet de vous renseigner en temps réel si vous reste du lait, des œufs, des carottes. Si vous avez enfermé un enfant par inadvertance. Voilà, un chat, un chien, un truc comme ça. T'as de drôles d'idées quand même. Hein. C'est un peu bizarre. Mais enfin bon, d'accord. Ok pour les frigos, il y avait autre chose ou pas on a l'équivalent, enfin pas l'équivalent, mais il y a un frigo avec écran également chez Samsung, je crois. Je sais pas si JDA les images, c'est pas sûr qu'on ait peut-être les images sous la main. Bon. Qui est un petit peu, c'est un peu la même philosophie, hein, mettre de l'informatique sur la porte du frigo pour principalement, il y a des applications qui permettent de surveiller les dates de péremption des produits, c'est ça? Non, moi je suis pas le mieux placé pour en parler, mais ce qui est sûr c'est qu'on se base sur l'usage des consommateurs. Mmh. Et toute l'innovation, elle repose pas sur la volonté d'intégrer de l'électronique dedans, mais de faire en sorte de faciliter l'usage du consommateur en pouvant contrôler ce qu'il a dans son frigo. Alors, à tout moment, faire ses courses plus facilement. Informations supplémentaires, parce que c'est plus simple pour moi, parce que ça fait partie aussi des produits. Donc l'idée c'est des fonctions directement liées à la conservation, c'est-à-dire on met ses dates de péremption. L'idée c'est pas de passer tout le stock de son frigo puisque c'est un peu rébarbatif, mais on a par exemple des laits, des yaourts où là plutôt une boîte de lait ouverte, on va vouloir surveiller trois jours parce éviter. Il faut taper le lait, quelques aliments, voilà. On le fait pour les trucs. Après, de l'autre côté, sur la partie entertainment, il y a pas mal de cuisines où il y a des téléviseurs dans la cuisine pour regarder les infos, pour regarder des bonnes chaînes comme 01net TV, absolument. Etc. Donc c'est possible aussi sur ce type de produits, parce que ce sont des produits connectés, bien sûr, en ligne. Mm. On peut regarder des films, on peut regarder des flux live, etc. Ouais. Mais Jérôme, vous devriez aller voir le téléviseur intégré Samsung. Il est pas mal, l'interface est vachement sympa. Je l'ai vu, il y avait une séance sur le stand. Elle est pas mal du tout. Juste un mot avant de vous laisser, messieurs. On va revenir deux secondes sur la télé, parce qu'on a pas mal de questions. Alors concernant la 4K et le contenu qu'on attend toujours, est-ce que ça va enfin arriver du contenu 4K à foison, parce qu'on sait qu'il y a Netflix, on sait qu'il y a deux trois trucs à droite à gauche, mais bon. Netflix, en effet, c'est le, je pense, la bonne direction, ce que vous évoquez là, c'est-à-dire avec Netflix, le HDR compressé de façon efficace avec Netflix, justement, pour aller loin. Les Canal Plus, France Télévisions, TF1, tout ça, s'y mettre. Il y a du HDL pour le broadcast, justement. Il y a une déclinaison de l'ultra haute définition avec les dernières normes pour le broadcast. D'accord. Donc je pense que c'est en cours. Ce serait mieux placé que nous pour les répondre directement, mais il y a notamment régulièrement des essais avec Roland Garros, avec les Jeux Olympiques, par exemple. Dernière question concernant l'incurvé. Il y a un auditeur qui nous dit pourquoi vous continuez à fabriquer des écrans incurvés alors que ça ne sert à rien? Alors on a fait le choix, nous, d'aller plutôt dans le plat. Donc je vais plutôt laisser... C'est vrai qu'on a lancé les écrans incurvés il y a plusieurs années parce que ça apporte ce sentiment d'immersion. Il y a une vraie profondeur dans l'image. On est d'accord que c'est pas un super succès quand même. L'incurvé, non ? Détrompez-vous, je ne vais pas forcément citer tous les chiffres, mais aujourd'hui, en termes de vente, c'est un succès. Et sur les écrans particulièrement, les écrans haut de gamme. Pour les maisons rondes, peut-être, non ? Non, je pense pour l'immersion qu'on arrive à avoir avec ces écrans incurvés. Vous vendez plus d'incurvés que d'écrans plats ? Aujourd'hui, sur les écrans haut de gamme, il y a un vrai plébiscite des écrans incurvés. C'est un vrai facteur de montée en gamme grâce à ce sentiment d'immersion. Dans la gamme chez Samsung telle qu'elle est construite, c'est le consommateur qui a le choix. S'il plébiscite l'écran plat, il va trouver un modèle en plat. S'il préfère l'écran incurvé, il va trouver exactement le même modèle, même design en incurvé. Mais de cette façon-là, c'est lui qui décide. Et de cette façon-là, on se rend compte qu'effectivement, il y a une vraie demande et un vrai... Parfait. Alors pour un compléter, vrai bénéfice sur les écrans incurvés. Pour compléter le rapide panorama, alors c'est vrai qu'on s'est dit aussi, on va laisser le consommateur choisir. Nous, on a un constat un petit peu différent, ça dépend des approches des marques, et on sent plutôt le plat qui est plébiscité, même si on a des offres incurvées également dans notre gamme. On verra dans les années qui viennent, si l'incurvé tiendra toujours le coup. On se reverra l'année prochaine et on verra. Parfait, et puis le CES de Las Vegas aussi, bien sûr. Évidemment. Merci beaucoup messieurs. Merci. Dans un instant, on parle des smartphones et des montres connectées, gros morceau à l'IFA. Mais juste avant, la question 01net Orange. Notre question 01net Orange de cette semaine. Pour ou contre la suppression de la prise casque sur iPhone? Vous le savez, le port jack devrait nous dire bye bye sur l'iPhone avec l'iPhone 7 qui devrait sortir dans quelques jours. Qu'en pensez-vous? Tiens, est-ce que ça vous fait réagir? Dites-nous oui, non, sur 01net.com, www.01net.com. Vous votez, on fera un point sur ce sondage dans quelques instants. Et on passe tout de suite, je vous l'ai dit, aux annonces concernant les smartphones, les montres connectées et les PC.
Et oui, pas mal de nouveautés aussi dans ce domaine. Hein. C'est vrai qu'on a, on a parlé d'audio, on a parlé de télé, mais après, il y a tous ces petits objets en mobilité qui nous accompagnent. On va parler smartphone, on va parler tablette, on va parler aussi de montres connectées avec Jean-Sébastien Zanqui qui nous a rejoint à la rédaction de Zéronet. Salut Jean-Sébastien. Salut à tous. Salut Jean-Sébastien. Ça va pas trop fatigué, Jean-Sébastien, premier jour de salon hein? Non, ça va, le premier jour, ça va. Ouais. Enfin, c'est en revanche, il faudrait faire des photos tous les jours, hein, oui, comme ça. Voir comment on dépérit au fur et à mesure. On s'avachit, on est comme ça, on a les yeux un peu... En même temps, à l'IFA, il n'y a pas de décalage horaire. Non, il n'y a pas de décalage horaire, mais à force de marcher, ça fatigue hein, quand même. Hein. Et puis nous avons le plaisir d'accueillir Vincent Ventilc. Bonjour, bonjour Vincent. Bonjour à tous. Bonsoir Vincent. Il représente dignement la marque Huawei, le constructeur Huawei, qui grignote de plus en plus de parts de marché concernant la mobilité et notamment les smartphones. On va vous donner la parole dans un instant, mais juste avant peut-être, on commence par quoi ? Par la montre ? Allez, hein ? Bien sûr, on va se faire un petit round-up de montre. C'était hier soir, juste avant les conférences de presse, en avant-première en fait de l'IFA, Samsung qui a dévoilé sa nouvelle Gear S3. Alors, on va pas trop s'étendre parce qu'il y a une vidéo, n'est-ce pas, de François qui nous dit tout, actuellement disponible sur Zeronet TV. Mais en gros, voici donc cette nouvelle montre, qui est un peu plus grosse hein, que la précédente. Ouais, avec une présentation encore complètement démesurée. Hein, on avait l'impression d'être au cirque du soleil. Hein, complètement. Oui. La conf Samsung, c'est dingue. Hein, il y avait un truc incroyable avec des filets partout et tout. Ouais. Bon, Jean-Sébastien, cette montre, pour résumer, qu'est-ce que tu en penses ? Plutôt d'un design assez réussi, surtout pour le modèle Frontier, je trouve, qui est un modèle un peu plus, on va dire, aviateur, aventurier, voilà, un peu plus baroudeur. C'est la noire. La classique est plus classique, forcément. Ouais. Voilà. Merci. Un peu moins. C'est une très bonne analyse, mais un peu moins relevé, un peu moins original. La Frontier repousse bien les frontières. Hein. Tout à fait. Et la classique est un peu plus classique. C'est ça que vous vouliez dire. Alors c'est ce qui se dit. Voilà. Qu'est-ce que ça apporte par rapport aux précédentes ? Il y a des nouvelles fonctionnalités. Alors il y a des nouvelles fonctionnalités. J'ai cru comprendre qu'il y avait un GPS maintenant. Voilà, il y a un GPS qui n'était pas dans la Gear S2. Il y a un altimètre, un baromètre, un indicateur de vitesse aussi. Un pluviomètre ? Non, ça pas encore. Ça pas encore. Mais elle est étanche. Elle est toujours étanche. Par contre, il n'y a pas de thermomètre. Ça, j'ai jamais compris pourquoi. C'est vrai, il n'y a pas encore de thermomètre ni dans les montres ni dans les smartphones. Ça, je sais pas. Est-ce que c'est trop près du corps pour avoir la température ? Est-ce que ça fausse la température ? Il n'y a toujours pas de contre-mètre. Moi, je tiens quand même à le préciser. Ils n'ont pas réussi à en mettre un dedans. Ils ont pourtant essayé. Voilà. À noter qu'il y a une version de la Frontier qui ne devrait pas sortir tout de suite, mais qui a été conçue par Samsung, qui est complètement autonome. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a une carte SIM. Elle est 4G, donc 4G. Si vous faites du sport, vous faites du ski, des randonnées, etc., vous n'avez pas besoin de prendre votre smartphone. C'est ça. Vous avez tout dans la montre, vous pouvez appeler en urgence quelqu'un, vous pouvez écouter la musique, etc., elle est connectée en fait. Tout à fait, mais c'est pas un modèle pour l'instant qui est annoncé pour la France, ce serait intéressant de voir quand même aussi comment c'est géré la 4G, parce qu'on sait que c'est très gourmand en énergie, et en général ça manque si c'est pour avoir une autonomie d'une heure sur une montre. Voilà, donc c'est très compliqué de tenir plus d'une journée avec ce genre de choses. Pas forcément très intéressant. Voilà. Elle est un petit peu plus grande que la Gear S2. Oui. Elle fait 33 mm. C'est ça. Elle a un écran un peu plus grand aussi, qui passe de 1,2 à 1,3 pouces. Au niveau du bracelet également, donc c'est un des bracelets standard, mais c'est du 22 mm cette fois-ci, c'est pas du 20 mm comme les Gear S2. Donc on peut rentrer chez n'importe quel bijoutier. Exactement. Avec un bracelet, ça c'est chouette. Samsung effectivement propose plusieurs bracelets de sa marque, mais effectivement on peut acheter n'importe quel bracelet, prendre le bracelet de sa vieille montre si on a envie, à laquelle on tient, si on veut passer une montre connectée, et ça permettra de mettre vraiment ça au look dont on a envie et qui nous correspond. Autonomie annoncée 3 à 4 jours et le prix 400€ environ. C'est ça, 400€ environ et disponible fin octobre en France. Autre montre moins chère, c'est celle d'Asus, avec la Zen Watch qui a été présentée aussi hier. Hein. Une jolie montre, bien finie, assez imposante aussi, hein, il faut l'avouer, un peu grosse. Elles sont un peu grosses. C'est vrai qu'elles sont un peu grosses, ces montres-là. Alors là, on est sous Android Wear. À noter que la Gear S3 n'est pas sous Android Wear, c'est Tizen. Elle est sous Tizen. Samsung reste sur Tizen, ce qui n'est pas une mauvaise idée quand même, parce que Android Wear, c'est toujours un petit peu pas abouti. D'ailleurs, Samsung nous montrait, il y a une application Spotify qui arrive sur la Gear S3, donc c'est assez intéressant. Malheureusement, elle ne marche pas encore en local. C'est-à-dire on ne peut pas mettre ces morceaux, c'est encore du streaming, donc il faut soit une connexion Wi-Fi, soit son smartphone à côté pour pouvoir s'en servir. Mais bon, en tout cas, ça arrive. Et il y a quand même plus de 10 000 applications sur Tizen. Je ne vois pas bien l'intérêt. S'il y a le smartphone à côté, streamer Spotify dans la montre... Mais ça peut avoir du sens pour le modèle 4G.
en revanche. Oui, c'est ça. Si tu es vraiment très autonome, voilà. Tu après, peux écouter si de la musique en streaming. Voilà, si on veut faire du sport, on peut l'avoir, voilà. Avoir ses oreillettes connectées. Oui, alors on revient deux secondes sur la Zen Watch, qui est très jolie. On voit le cadran est très beau. On peut personnaliser son cadran. Il y a plus de 50, je crois, cadrans différents. Et c'est très simple de les changer. Tu vois, tu as une appli donc sur ton smartphone, tu choisis ton cadran et automatiquement, paf. Ton cadran se change, tu peux le personnaliser, rajouter des petits Donc il faut faire ça sur le smartphone. Tu peux le faire sur le smartphone. Parce qu'il y a certaines montres, ça se fait sur la montre directement. Voilà. Je connais une montre connectée carrée par exemple. Oui. Ça se fait sur la montre. Qui commence par un A, c'est ça, l'Apple Watch. Ouais. Mais là, tu peux aller plus loin, tu peux personnaliser véritablement l'intérieur de la montre. C'est plus fin. Mais c'est pas mal. User friendly, on va dire. Exactement. Sous Android Wear. Donc après, on aime ou on n'aime pas Android Wear. Hein. Mais elle coûte moins cher cette montre-là. Hein. La Zen Watch, on est aux alentours des 200. Je pense que c'est ça. De souvenir, tout à fait. C'est moins cher. Après, elle est peut-être un petit peu moins bien finie également que la Samsung. Mais on voit que les constructeurs s'intéressent toujours à ce segment de la montre connectée. Qui décolle, mais bon, il y a eu des derniers chiffres sur le dernier trimestre qui n'étaient pas très encourageants, qui disaient même que ça baissait un peu pour l'instant. Enfin, ça a l'air, on ne sait pas encore. Cela dit, on peut demander à Vincent Ventil qu'ils ont une montre chez Huawei. Hein. Tout à fait. Oui, Rebonjour Vincent. Rebonjour. Oui. La Huawei Watch, c'est un carton phénoménal intersidéral ou pas? Sincèrement, entre nous. C'est pas un carton intersidéral, mais c'est tout à fait en phase avec les estimations qu'on avait faites. Vous n'êtes pas déçu? Non, on n'est pas déçu. Ce qui nous intéressait pour nous, c'est de prendre le pied sur ce marché-là. Vous avez une très jolie montre d'ailleurs. C'est celle qu'on a lancée effectivement au Mobile World Congress il y a un an et demi. On en a lancé une deuxième dans une version féminine au CIS. Voilà, c'est un marché sur lequel on est rentré par le prisme de plutôt les codes de l'horlogerie. Et on a travaillé avec la distribution aussi horlogère. Donc c'est un marché sur lequel... Mais c'est un marché de longue haleine, c'est un marathon. C'est exactement un marché de longue haleine, absolument. Mais c'est peut-être la montre de tous les jours de demain. C'est-à-dire que demain, quand on voudra acheter une montre, les connectés feront partie, ce seront des montres comme les autres, en réalité. Je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Tous les objets seront demain connectés, donc il n'y a pas de raison que la montre ne le soit pas. Ouais, mais encore, on cherche encore les usages, non Vincent? Sincèrement. Mais on a quelques usages. Mais est-ce qu'on a trouvé la killer app qui fait que la montre connectée devient indispensable? Bon nombre de journalistes, les notifications, de collègues qu'on connaît ont testé les montres connectées, Jean-Sébastien, moi-même. Pourtant on s'est accroché. Hein, au bout d'un moment, elle termine dans un tiroir parce que finalement, entre l'autonomie qui n'est pas terrible, cette killer app qui manque, qui fait que. Non, je suis pas d'accord, François. Non, la killer app, elle existe. Ce sont les notifications. C'est bizarre, j'étais sûr que tu n'étais pas d'accord avec moi. Mais non, on n'a pas le même avis sur les montres connectées. Mais non, nous n'avons pas le même avis. Non, absolument. Non, les notifications, c'est la killer app. C'est ce qui fait que tous les matins, on se dit, je la mets pas. Si, je la mets, parce que j'aime bien. C'est pas grave, t'as cassé un iPhone. Non, c'est très costaud. Ça va. Voilà, mais bon, ça c'est pas le sujet. Mais Jean-Sébastien, qu'est-ce que t'en penses toi? Juste une seconde. Sur les montres connectées? Ouais. Ben alors, moi c'est très paradoxal, j'en porte une aussi tous les jours. Quand on me demande, t'en fais quoi? Et je suis là, je fais, je sais pas trop. Finalement, t'en fais quoi? Tu vas pas regarder la télé dessus? Non, mais évidemment. Mais c'est vrai qu'après, quand je réfléchis un peu, je me dis, oui, c'est vrai, les notifications, c'est sympathique. Il y a une chose qui est pratique, je trouve, c'est le guidage. Moi, quand je suis à pied par exemple, quand j'ai un rendez-vous dans un endroit que je connais pas, surtout en hiver où on est bien content de pas sortir les mains sans smartphone dehors, on a la montre qui vibre, nous dit d'aller à droite ou à gauche. Ça, c'est pratique. Après, voilà, est-ce que c'est une killer app ou pas? Je sais pas. Mais en tout cas, je continue quand même à la porter tous les jours et je suis quand même content. Donc, un peu bizarre. Voilà pour les montres. On enchaîne avec les smartphones. Huawei qui a annoncé donc le Nova. C'était ce matin même. Oui, on a annoncé le Huawei Nova. Produit. Donc effectivement le Nova qui est un nouveau produit, qui est une nouvelle série, une nouvelle gamme. Huawei, vous le savez, vous l'avez évoqué François au démarrage, croît de façon régulière. Combien de pourcents de part de marché aujourd'hui? Aujourd'hui, au niveau mondial, on titille les 10%. Selon IDC, on est 9,4%. Gardner, 18,9%. Donc, vous voulez rentrer dans les trois premiers là d'ici la fin de l'année, c'est ça? C'est ce que j'ai cru comprendre. Oui, bon, on est déjà dans les trois premiers depuis pas mal de temps. Hein, Donc là, on titille le second, je dirais. Le second. Leur mission, c'est de prendre des parts de marché à deux chiffres très vite au niveau mondial. Au niveau français, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'on suit aussi. Et on a pris un vrai virage depuis le lancement de la gamme P9, avec le P9 et le P9 Lite qui cartonnent vraiment. Voilà, donc, qui est votre haut de gamme, on va dire. Hein. Le P9 qui est notre haut de gamme, le P9 Lite qui est un produit à 300 euros, qui a un très très beau succès, qui est rentré dans le top 30 GFK en un mois.
Donc voilà, l'idée pour nous, c'est de continuer à croître. Et pour ce faire, c'est aussi de croître sur d'autres segments. Et c'est ce qu'on veut faire avec la gamme Nova, puisque l'idée, c'est pour nous de mettre à disposition du grand public toutes les innovations que jusqu'à présent on mettait sur les flagships comme les séries P ou Mate, et donc sur les produits à moins de 400 euros. Donc c'est un gros pari, c'est un marché important. Donc l'idée, c'est de mettre un produit très équilibré pour un prix de aux alentours des 400 euros, hein, 370. Exactement. Ça, ouais. D'avoir des spécifications techniques d'un téléphone haut de gamme, un peu comme le OnePlus, hein, Jean-Sébastien, que tu connais bien. Un petit peu. C'est-à-dire qu'on se retrouve à des prix aux alentours des 400 euros, mais avec des spécifications techniques haut de gamme. Ouais, après, je ne sais pas si la promesse est vraiment tenue avec le Nova, parce que c'est vrai que vous avez une autre marque qui s'appelle Honor, chez Huawei, qui, moi, je trouve que ça serait plus Honor qui va concurrencer OnePlus, par exemple, quand on voit le Honor 8 qui a été présenté là, il y a très peu de temps. Voilà, lui, franchement, on donne pour son argent. Il a un Kirin 950, qui est le processeur haut de gamme du P9, ouais. Il a 400 euros, il a un design assez réussi. C'est joli, double appareil photo. Ouais, double appareil photo également. Capteur d'empreinte. Tout à fait. Et c'est vrai que j'ai l'impression que le. Moi, j'ai peur que ça se cannibalise un petit peu entre ces deux modèles. C'est vraiment la question qu'on peut se poser. Mais c'est la question qu'on peut se poser, c'est vrai, Vincent. Ouais, on est trois entre vous là. Parce qu'on a. Très bien, je vais relever le défi de la minorité. Allez-y. Dynamique. Non, je pense que la cannibalisation, elle peut exister, mais juste sur un segment. C'est-à-dire que la stratégie Honor, et je ne suis pas le mieux placé pour en parler, est une stratégie orienté sur le web, avec un modèle économique extrêmement différent. Et en termes de produits, je dirais que on va aller sur des produits jusqu'à 400 euros. La stratégie de Huawei, elle est très différente. Elle est une stratégie multicanaux, distribution traditionnelle, avec des produits plutôt à très forte valeur ajoutée, où on va commencer à peut-être du 200 euros avec le P8 Lite aujourd'hui qui marche très bien, pour aller sur des produits au-delà de 700 euros. Pour ces produits-là, il faut absolument qu'ils soient démontrés en magasin. Donc, on a deux modèles qui sont différents. Et il est évident que au moment où on est sur des canaux des ordres de prix où Honor et Huawei, vous allez nous poser la question et vous allez parler de cannibalisation. Mais pour nous, les choses sont très très claires. D'accord. Il n'y a pas de cannibalisation dans les stratégies. Alors, qu'est-ce qu'il a dans le ventre, ce Nova? Qu'est-ce qui fait qu'il a des spécifications haut de gamme pour un prix moyen de gamme? Voilà, il y a pas mal d'éléments. D'abord, on a beaucoup travaillé pour un produit à ce prix-là, sur le design. On a un design vraiment très très bien fini, bien sûr toujours métallique, avec des courbes extrêmement bien finies. On retrouve les côtés de prise en main sur les effets Diamond Cut qu'on retrouvait sur les autres modèles. Qui permettent vraiment d'avoir une très belle prise en main. Puis c'est un produit qu'on peut utiliser d'une main, donc l'ergonomie va être essentielle pour les utilisateurs. C'est un 35 pouces, hein. Oui, justement, qui sont très demandeurs. C'est pour moi finalement le 5 pouces premium haut de gamme du marché. On a intégré notre capteur d'empreinte digitale. Vous avez de la concurrence quand même, hein. On a de la concurrence. Oui. On a de la concurrence et un marché. Sur 5 pouces, vous avez 8000 concurrents potentiellement. Oui, et c'est pour ça que je dis le positionnement de ce produit 5 pouces est très premium. On intègre un capteur d'empreinte digitale, vous parliez d'innovation. Qui est 3D. Donc en termes de sécurité, c'est quelque chose de très très intéressant. Mais pas le double appareil photo. On n'a pas le double appareil photo, c'est un produit qui est un compromis, c'est un produit extrêmement équilibré, mais c'est un produit qui intègre par exemple en frontal une caméra 8 mégas, qui intègre aussi sur l'arrière 12 mégapixels, avec du big pixel pour donner des images plus vives, plus détaillées. C'est un produit qui a une très très belle autonomie, on est jusqu'à 2 jours d'autonomie et c'est autorisé à la fois par le design qui nous a permis d'intégrer une batterie de 3000 mAh, un peu plus, et aussi grâce au processeur qui va économiser de l'énergie tout en améliorant les performances de près de 40%. Donc on a un super produit extrêmement équilibré. On est persuadé qu'on va trouver notre public. Jérôme, tu sais quoi? Il y a une fonctionnalité qui va te plaire sur ce téléphone. C'est qu'il a le maquillage automatique dans les selfies. Ah, je croyais que c'était par rapport au Pokémon. Non. Bah non. Attends, le maquillage Pokémon automatique pour les selfies. Oui, tu prends un selfie, tu appuies sur un bouton et tu es automatiquement maquillé. Mais maquillé comme un clown ou comme... Non. Ça dépend du point de départ, mais... Ouh là là. Ah, oui. Ça balance quand même, t'as vu un peu? Non, mais je pense que voilà, ça s'adresse aux jeunes filles comme ça, pas aux barbus comme moi. Ou ça peut s'adresser aux barbus. Moi j'ai fait un test tout à l'heure, j'ai fait waouh, je pensais pas que j'étais aussi... Il a fait même waouh. Bon, ça va plaire à ma fille, ça, très bien. Donc,
Il y a effectivement toute cette partie selfie qui, on ne peut pas le nier, est un vrai phénomène. Et d'avoir un capteur 8 mégapixels ouais. et justement ces applications qui vont permettre d'améliorer aussi en très basse lumière dans les conditions donc, de luminosité très différentes, c'est aussi un plus qu'on apporte sur l'expérience photo. Donc, enfin, moi ce que je voudrais, c'est l'appareil photo qui recoiffe. Ça, moi, vous avez ça ne me concerne pas. Moi non plus. Ouais. Bon. Moi franchement, ça ne m'intéresse pas. C'est pas un sujet que je suis d'accord. Donc on est 3-1 cette fois-ci. Voilà. Tout à l'heure, tu vois, c'était Vincent qui était tout seul. Là, tu es tout seul. Donc tu ne vas pas commencer à nous saouler avec son problème. D'accord. Bon, très bien. Merci beaucoup, Vincent, pour cette présentation détaillée du Nova. Alors, il y a eu d'autres smartphones. Il y a Sony qui a dévoilé des choses, etc. Exactement. Vous trouverez bien entendu tous ces produits détaillés avec prise en main sur Zeronet.com. C'est la reine du smartphone, c'est Stéphanie Molinier. Voilà. Et le prince, c'est Jean-Sébastien. Voilà. Donc, tout ça, c'est à suivre sur 01net.com. À lire sur 01net. Juste un instant pour revenir à la montre et pour te mettre ça dans les dents. On a Guillaume qui nous dit, et il a tout à fait raison, killer app de la montre connectée, le tracker d'activité quand on fait du sport. Monsieur, ne l'oublions pas. Oui, c'est vrai, puisqu'en général, ces montres-là intègrent un capteur cardiaque. C'est vraiment utile. Donc on sait où on va. Il nous reste 2 minutes pour vous parler de toutes les nouveautés PC. Oui, alors là, ça va aller vite. Donc comme ce ne sera pas possible, on en a retenu une. Oui, alors, écoute, alors, non, il y a pas mal de choses. Moi, il y a un PC qui m'a véritablement tapé dans l'œil. C'est le nouveau PC Asus, qui est superbe. Je ne sais pas si tu l'as vu, Jean-Sébastien, mais je n'ai pas pu aller le voir. En fait, une espèce de prouesse technologique. Il est d'une finesse, je crois qu'il est encore plus fin que le MacBook Air. Non, c'est pour dire. Et il a... Les pastilles de la gorge. 9 heures d'autonomie. Il est vraiment très beau. Et... comme le MacBook, non pas comme le MacBook Air, ce PC n'a plus qu'un port. C'est un port USB-C. Écoute, je ne sais pas si JD... voilà, regardez comme il est beau. Ouais. Non, vraiment, superbe. Ultra fin, un franchement... port USB. Voilà. À part de dire que c'est comme Apple... Non, un port USB... Attends, un port USB-C. Non, parce que là, tu te retrouves avec un capteur d'empreinte que tu vois sur le côté. Ah, ça, c'est bien, ça. Ça, tu n'as pas ça sur ton Mac. Tu as un grand pad pour pouvoir tout bien diriger. Franchement, très, très haut de gamme. Bon, ça coûte 2000 euros, je suis d'accord. C'est pas donné. Mais franchement... ça peut être une alternative si vous voulez un joli PC sous Windows 10. Ouais. Voilà. Moi, je voudrais peut-être qu'on termine par... c'est peut-être le produit le plus insolite, le plus inattendu. C'est Lenovo qui a présenté une drôle de chose. C'est un ordinateur, mais dont le clavier, en fait, est une tablette tactile. Alors, attends, parce qu'il faut qu'on comprenne. Ouais, il faut qu'on comprenne bien. Donc, le clavier est une tablette tactile. Donc, c'est pas un clavier, c'est une tablette tactile, quoi. Ben voilà, ça nous fait deux écrans, si vous voulez. Vous avez l'écran traditionnel de l'ordinateur. Et là, on n'a pas les images. On me dit qu'on n'a pas les images. On n'a pas les images. Oh. Alors, mime-le-nous. Mime-nous le Lenovo. Alors, je vais vous mimer le Lenovo. Allez, vas-y. Non, mais imaginez, pour résumer, imaginez un PC portable, un laptop, sauf qu'à l'intérieur, il y a deux écrans. Et le clavier, en fait, c'est un clavier virtuel comme sur une tablette. D'accord. Hein, mais ça ne sert pas que de clavier. Mais ça ne sert pas seulement de clavier, ça peut servir également de tablette tactile, donc d'autres applications. C'est assez waouh, mais tu vas nous en parler, je suis sûr, très prochainement. Évidemment, sur Zeronet TV. On en parlera demain dans De quoi je me mêle, parce évidemment, votre rendez-vous du vendredi De quoi je me mêle sera réalisé ici même depuis l'IFA et ici même depuis le Stand Arman. T'as vu le teasing que je te fais? Ah, c'est même beau. Pas d'image. Si vous voulez tout savoir sur ce produit insolite, rendez-vous demain dans De quoi je me mêle. Tu sais quoi? C'est là qu'on reconnaît vraiment l'amitié. Est-ce que tu veux pas qu'on se fasse un dernier point concernant le sondage? Si, alors attends. Alors il faut qu'il rentre son code sur son Mac, vous allez voir, en 2-3 minutes on devrait y arriver, ça va être superbe. Tu vois, si t'avais ton Asus là, tu poserais ton doigt et ça marcherait. Oui, et bim. Bon, et ben c'est pas terrible, c'est pas terrible. On est toujours à 62% contre la suppression de la prise casque sur l'iPhone, voilà. Bon, écoutez, alors là franchement, la semaine prochaine ça va être chaud bouillant quand même, hein, cette keynote Apple. Hein. Mercredi soir en direct, keynote Apple, annonce de l'iPhone 7 probablement, à vivre en live sur 01nettv.com. Et peut-être même une Apple Watch 2, c'est des rumeurs qui circulent. Une Apple Watch 2, ah oui. Et puis des cadeaux à gagner mercredi Et des soir. Cadeaux à gagner, on vous le disait tout à l'heure, on vous offrira de super cadeaux JBL. Bon, portez-vous bien, on a été ravis de vous accompagner durant cette heure ici à Berlin pour cette IFA. À quelle heure le live mercredi soir? 19h. 19h, je bois à 18h45, on commencera un petit quart d'heure avant, 18h30, histoire de faire chauffer le bousin, comme on dit. Voilà. Soyez là. D'ici là, toute l'actualité de l'IFA à suivre sur Zeronet TV avec des tonnes de vidéos dans tous les sens, même ce week-end. Et on se retrouve très vite, donc.
Portez-vous bien, à mercredi soir prochain, ça c'est sûr. Bye bye et à Wiedersehen.